l'élection des députés à l'Assemblée nationale en 2013, la mise en place de plusieurs autres institutions républicaines, une nouvelle dynamique de coopération a été enclenchée. Et pourquoi? Notre pays a opté pour une offensive diplomatique tout azimut pour sortir la Guinée de son isolement et le positionner comme un partenaire stratégique incontournable dans la sous-région, vu son potentiel tant économique qu'humain. C'est à cet effet que dans le cadre du renforcement des liens de coopération bilatérale entre les deux pays, la Guinée et la Belgique, que cette Convention générale de coopération a été initiée et signée en janvier 2016 pour marquer les contours de cette coopération. Honorables députés, c'est cette Convention générale qui vous est soumise pour adoption et autorisation de ratification. Monsieur le Président, Monsieur le Représentant du Chef de l'État, honorables députés, Mesdames et Messieurs, la présente Convention générale a pour objectif de définir le cadre politique, institutionnel et juridique de la coopération gouvernementale entre les deux pays. C'est dans le cadre du renforcement de leurs relations bilatérales et pour pérenniser les bases de leur politique de développement économique, social, scientifique et technique que les deux gouvernements ont décidé de conclure une convention générale de coopération qui permettra aux deux parties de négocier et signer d'autres accords spécifiques de mise en œuvre ou de mettre en place des programmes relatifs aux domaines cités dans les articles 2 et 5 de la convention. Cette convention permettra la mise en place également de la Grande Commission mixte de coopération qui définira les axes et procédera au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre de la Convention. Comme vous le constatez, honorables députés, cette Convention comprend un préambule, 4 dispositions et 14 articles. Nécessité de la ratification. Eu égard à ce qui précède, il ressort toute l'importance à procéder à l'autorisation de ratification de cette Convention pour le plus grand bien de nos populations, car c'est en effet un important instrument juridique pour sécuriser et réglementer les flux d'investissement et d'échange d'expertise entre nos deux pays. En conclusion, il est à souligner qu'aucune disposition de la présente convention ne met en cause les obligations des deux gouvernements par rapport aux lois nationales, traités régionaux et internationaux existants auxquels ils appartiennent. Au regard de ce qui précède, et dans le souci de renforcer la coopération bilatérale avec ce pays ami qui abrite la capitale de l'Europe et pour profiter pleinement de la place de pays prioritaire parmi les 14 retenus en Afrique, la Commission recommande l'autorisation de ratification du présent protocole d'accord par voie, par vote unanime des députés. Je vous remercie.